les amis, j'ai réussi à éteindre les flammes de l'école provoquées par les élèves l'autre fois. Ils m'ont encore fait perdre masse d'argent. J'ai dû refaire toute l'école et regardez, il y a encore des trous à des endroits, le seum. Ouais, et en plus, Fofo, on a dû presque tout jeter vu que tout avait cramé. Ouais, Doggy, et heureusement que certains trucs ont tenu, genre la salle gaming de l'amphithéâtre. Et heureusement, parce que c'était le plus cher. Ah là là, si je revois les élèves qui ont fait ça, je vais les fumer. Oh, et dernière chose, les amis, avant que je profite un peu des jeux vidéo en attendant les élèves pour les maraves, j'aimerais vous dire que j'ai déjà viré les deux qui ont cramé mon établissement parce que je veux plus que ça se reproduise. Vite, Fofo, profitons-en pour jouer. Les élèves ne devraient pas tarder à arriver et t'as des records à battre. Ok, j'y vais, mon doggy. Mais pendant que j'attends les pouilleux, n'oubliez pas qu'il y a des Robux dans cette vidéo pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Alors n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à commenter ton pseudo Roblox pour faire comme cet abonné qui vient de gagner 1000 Robux. Bon, je vais enfin pouvoir tester de jouer à Minecraft. En attendant que les élèves arrivent, on va buter un maximum de bestioles vertes. C'est moi qui vous le dis. Fofo, c'est des mobs, pas des bestioles vertes. Comment tu connais ça, toi, Doggy? Et... Fofo, je te le dirai plus tard. Par contre, les élèves sont hyper stressés. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais ouais, il se passe quoi ici? Laisse-moi aller voir ça. Bah alors, les amis, il se passe quoi? Vous voulez vous excuser de l'autre fois? Hey, t'as pas entendu ce qu'ils ont dit aux infos, Forlan? Non. Hein? Non, pourquoi? Regarde les infos, Forlan, et tu comprendras. Oh mon Dieu! Oh, mais je comprends rien à ce que vous dites. Bon, très bien, je le fais. Et après, j'espère que c'est pas une blague, hein, de votre part. Sinon, je vous vire tous de mon école, ok? Fofo, regarde les infos vite, et tu verras si c'est une blague ou pas. Vas-y, j'allume la télé 2 secondes. Bonjour, habitants de Brookhaven. Nous avons une terrible nouvelle à vous annoncer. Oui, et c'est très grave. Il y a un volcan qui va rentrer en éruption près de Brookhaven dans 1 heure pile. Hein, quoi? Un volcan? Mais il n'y a pas de... Oui, la montagne vient de se réveiller. Et pour votre sécurité, cachez-vous ou quittez la ville dès maintenant. Oh non, c'est terrible! On va tous mourir, là! Oh, et dernière chose, nous vous donnerons des informations via votre téléphone portable sur l'avancée de l'éruption volcanique. Voilà, surveillez-le, sinon vous finirez cramé. Maintenant, il nous reste plus qu'à nous cacher parce que le studio de la télé crame. Oh non! Oh mon Dieu, c'était quoi ça, les amis? C'est pas vrai, ils ont cramé! Vite, les amis, mettez un gros like à cette vidéo, sinon demain, vous terminerez comme eux et vous perdrez tout ce que vous avez! Ne prenez pas le risque, ils ont pris trop cher! Attends, quoi, Fofo? Une éruption volcanique alors que tu viens juste de reconstruire l'école qui avait cramé? C'est la poisse, sérieux! On veut pas mourir, non! Je suis trop jeune pour mourir! Ok, merci les amis de l'information, sinon j'aurais pas été au courant. Mais maintenant, rentrez chez vous au plus vite, ok? Faut que vous soyez en sécurité. C'est impossible, Forlan. Nos parents nous ont tous virés de la maison et se sont cassés de la ville sans nous. Quoi? Sérieux? Il a raison. Mais oui, il a raison. Mais quel parent abandonne ses enfants comme ça, les amis, en pleine catastrophe? Oh là là, les pauvres! On devrait les garder avec nous parce qu'ils n'ont plus d'endroit où aller. Ils sont orphelins. Ok, ok, les gars, les filles, vous pouvez rester avec moi, ne pleurez pas, d'accord? Oh, merci, Fofo! Bon, venez avec moi, les amis. On va devoir se barricader pour éviter de mourir. Mais d'abord, il faut qu'il y ait une personne qui aille chercher de la nourriture à l'épicerie et quelques autres objets utiles et une autre personne qui doit trouver un bunker avec une pièce secrète pour se cacher. Ok, moi, je vais chercher de la nourriture. Moi, je reste ici et je vais t'aider à trouver le bunker secret. Ouais, allons trouver une cachette. Hey, hey. Ok, merci les gars, il faut qu'on en trouve un assez rapidement parce que là ça va être compliqué. 1 heure, ça passe très vite. Le compte à rebours est lancé, faut qu'on survive. T'inquiète pas Forlan, on va trouver ça rapidement. J'espère mon gars, allons-y alors. Oh là là, il y a des tremblements de terre, ça commence. Je flippe trop les amis, regardez-moi ça. Calmez-vous les gars, paniquez pas. Plus vite on aura trouvé la pièce secrète et plus vite on sera en sécurité. Chef, oui, chef. Fofo, je crois que j'ai la chiasse. Je me fais dessus comme toi. Oh mec, je te permets pas de dire ça, voyons. Retiens-toi, ça va puer. Forlan, regarde par ici. Tu savais qu'il y avait une porte ici? Non, fais voir. Mais quoi? Je savais pas qu'il y avait une porte dans cette pièce. Bah c'est bien la première fois qu'on la voit, hein. Attendez, il y a peut-être une pièce secrète dedans, non? Il a peut-être raison, Fofo. On devrait rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il y
y a dedans. Bon allez les amis, c'est notre dernier espoir, donc allons-y. Oh la vache, c'est la cave de l'école de Brookhaven. Incroyable les gars. Ouah, je m'attendais à tout sauf à ça. Il y a un souterrain dans cette école. En tout cas, c'est super ça, Fofo. On a enfin trouvé une pièce où s'abriter. Alors maintenant, reste plus qu'à la décorer et à tout protéger avant qu'on crame avec la lave. Ouais, mais d'abord, j'ai un truc urgent à faire. Hein? Bon les amis, je vous laisse voir ce qu'il y a dans les cartons et de vous débarrasser des choses inutiles. Pendant ce temps-là, moi je vais attendre Alexia qui est partie chercher de la nourriture toute seule. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Vas-y, à tout de suite, Fofo. Vas-y, à tout de suite, Fofo. Allez, Doggy, on remonte de cette cave. Il fait sombre là-dedans. Oh là là, imaginez si les anciens profs enfermaient les élèves passages ici. Ouah, c'est glauque. Et les amis, question pour 1000 Robux. Vous pensez que combien de personnes vont se faire brûler les fesses lors de l'éruption volcanique? Soit 0 personne, soit 2, ou soit 4 élèves. Mettez votre réponse dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Je choisirai un ou une abonnée pour les Robux. La réponse dans la suite de la vidéo. Du coup, Doggy, tu penses qu'il reste combien de temps à peu près avant la catastrophe? Je pense qu'il doit nous rester 50 minutes à peu près. Oh là là, ouais, ça doit être ça. On a encore un peu de temps devant nous avant de se confiner complètement jusqu'à l'éruption volcanique. Oui, Fofo, j'ai si peur de ce qui va se passer. Me voilà. J'essaie de prendre un maximum de nourriture. J'espère que ça vous plaira, les garçons. Super, c'est un bon début. Avec ça, on pourra tenir quelques jours. Malheureusement, je n'ai pas pu en prendre plus parce qu'il y avait trop de monde à s'arracher la nourriture. C'était la panique. Bah, c'est rien. Tant que t'as ramené ce que tu pouvais avec toi, c'est le plus important. En tout cas, viens, Alexia, suis-moi. On va ramener tout ce que t'as pris dans la cave de l'école de Brookhaven. Quoi? Il y avait une cave dans l'école? Je savais même pas. Mais t'inquiète pas, nous aussi, on savait pas. Regarde, c'est derrière cette porte. Bon, enfin, bref, on y va. Ouah, mais c'est immense cet endroit. Incroyable. Bravo, Forlan et Doggy. Ouais, t'as vu. Fofo, allons voir si les autres élèves ont terminé de fouiller dans les cartons. Je veux trop savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, allons les rejoindre. Attends, Forlan, je passe où la nourriture? Mets-les sur les tables, là-bas. D'accord, j'y vais. J'ai un truc à te dire après. Ok, tu me diras après, alors. Bon, alors, les gars, vous avez fini l'inventaire? Il y avait quoi dans ces cartons? Ouais, Fofo, on va pouvoir tout utiliser parce que les bancs, ça peut servir pour regarder la télévision, pour être informé de la catastrophe. Et il y a encore plein d'autres objets cool qu'on a découvert, mais on te garde la surprise. Ok, pas mal du tout. Merci pour l'inventaire, les mecs. Oh mon dieu, je viens de recevoir une notification sur mon téléphone. C'est quoi? Moi aussi, frérot, c'est bizarre. Attends, je lis ce qu'il y a dessus. Il reste 30 minutes avant l'éruption. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant les 30 dernières minutes, Fofo? Ok, écoutez, on va remonter rapidement à la surface et trouver un maximum d'objets qui pourraient nous servir. Et on va les ramener ici, les amis, ok? Faut prendre tout ce que vous pouvez, sinon on est foutus. D'accord, Fofo? D'accord, Fofo. D'accord, Fofo. Hé, Fofo, n'oublie pas aussi de prendre les affaires gaming de l'amphithéâtre. Comme ça, on ne s'ennuiera pas pendant la catastrophe. Oh, super idée, Doggy. Allons chercher ça en premier, ouais. Waouh, y a plus d'électricité, les gens. En plus, le ciel est devenu orange. Hé, là-bas, ça crame un peu, non? Bon, les amis, du calme. On va aller chercher le maximum de choses. Et après, on s'enferme directement dans le bunker, ok? D'accord, Forlan. Allez, les amis, on y va. Et on a intérêt à ne rien oublier. Ça va péter. Ouais, on y va. Prenez vos lampes torches. Pour pas qu'on se marche dessus. Me torchez pas. Oh là là, mais les amis, regardez-moi ça. Clairement, ça me fait trop mal au cœur de voir l'école que je viens juste de reconstruire se retrouver en flammes à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est pas la faute des élèves, hein. C'est pas grave, Fofo. On reconstruira toute l'école si on arrive à survivre. Allez, on récupère tout ce qu'on peut, les amis, et... Oh mon dieu, un nouveau tremblement de terre. Mais il est plus fort que le précédent. Non, ah, Doggy, ça va être super difficile de survivre. Je le sens vraiment pas, cette histoire. Vite, on retourne devant la porte du bunker. Posez nos affaires. Pfiou, les amis, on a fait pas mal d'allers-retours. Et là, je suis remonté tout seul pour récupérer un peu de nourriture et retourner après dans le bunker une bonne fois pour toutes. Parce que je le sens vraiment pas, cette histoire. J'ai l'impression que ça va durer. Allez, on va prendre de la pizza parce qu'on en a pas assez. Puis un paquet de chips, voilà. Et du Coca-Cola bien frais qu'on mettra dans le distributeur de boissons pour qu'il reste bien frais cette année. Oh là là, j'espère qu'il va pas périmer. Oh, je crois que c'est tout bon, hein. Notre inventaire, il est bien rempli, là. Ouais, je crois que c'est bon, Fofo. On peut y aller. Attends deux secondes, Doggy. Laisse-moi voir
voir la ville de Brookhaven une dernière fois avant de rentrer dans le bunker. C'est bientôt la fin, les amis, je suis si triste. Oh. Oh, le ciel est de plus en plus orange, mais c'est stylé de fou. Mais bon, ne restons pas là, les amis, sinon je vais finir par me prendre une boule de feu sur la tronche. Et mon fiac, il cramera comme celui de Mario. Bon, les gars, regardez, j'ai pris un max de nourriture, je vous la pose. Et maintenant, on va enfin pouvoir refermer le bunker. J'espère que ça va marcher. Je crois qu'on est les derniers survivants de la ville de Brookhaven. C'est terrible. Vite, les amis, aidez-moi à mettre les tables devant la porte pour pas que les flammes nous atteignent. Vas-y, Alexia, laisse-moi t'aider. Je suis un mec fort. Bon, je pense que c'est suffisant, Popo, avec les tables. Ouais, c'est parfait. Là, la porte, elle va vraiment pas bouger. Enfin, j'espère. Bon, du coup, viens, Fofo, on va te faire visiter la cave. On l'a complètement aménagée pour nous. Et après, je te dirai mon secret. Ok, je te suis, Alexia, montre-moi tout. Donc, ici, c'est le coin gaming avec un générateur d'électricité pour qu'on puisse jouer, mais aussi aller sur nos téléphones. Waouh, mais c'est trop cool, ça. Ah, mais attends, on a aussi posé des jeux sur le canapé et juste à côté, on a les bandes d'arcade. Ah ouais, mais cet endroit, c'est le meilleur pour survivre, en fait. Et là, Fofo, on a la salle à manger avec la nourriture qu'on a récupérée. On va bien se régaler. Et là-bas, on a aussi une salle de sport. C'est important pour notre santé. Mais attendez, d'où sortent ces deux toilettes, là? Je les ai pas vues tout à l'heure. C'est quoi ce délire? Ah, ça, c'est les deux garçons là-bas qui les ont ramenés. Les gars, ça vient d'où, ça? Et comment vous les avez emmenés ici sans que je les voie? Ça aurait pas dû passer la porte, normalement. Ah, bah, on a défoncé les toilettes de l'école pour les ramener ici parce qu'on allait tout de même pas avoir la coulante et faire nos besoins par terre. Ouais, et puis, c'est aussi pour toi qu'on a fait ça, Fofo. Ah bon? Comment ça pour moi? Bah, à chaque fois que tu vas aux chiottes, tu pues la mort de zinzin, alors... Hé, fumier, ne dis rien! Oh là là, ne va pas plus loin! Oh, ça va, là, je vous pardonne, les gars. Par contre, j'ai une dernière question à vous poser. Vous avez tout de même pas défoncé les tuyaux de l'école en les amenant ici, j'espère. C'est ce qui m'a coûté le plus cher en réparation. Bah, si! Mais c'est pas vrai! Je vais encore devoir les réparer une fois qu'on aura survécu à l'éruption volcanique! C'était une question de survie, Forlan. Ok, très bien, les amis, c'est pas grave. Je m'occuperai de ces problèmes plus tard. En attendant, allons profiter un peu de la cave de l'école et respirer, hein, parce qu'il reste seulement 10 minutes avant l'éruption. Et on n'est pas sûr de rester en vie. Oh non, l'éruption arrive. Bon, en attendant, les amis, je vais regarder un peu la télé. Ça m'aidera, hein. Ne pas stresser, parce que j'ai des gaz. Oups, oh, pardon, je stresse de fou. Oh non, regardez le compte à rebours. Les amis, regroupons-nous. Il reste seulement une minute. Oh non, c'est pas vrai. 5, 4, 3, 2, 1. Bah, il se passe quoi, sérieux? C'est quoi ce délire, wesh? Oh. On va attendre encore quelques minutes, les amis. On a du décalage, je crois. Oh, attendez, on vient de recevoir un message. Je le lis, ça arrive. Alors, c'est marqué quoi? Je vous ai bien eu, les habitants de Brook Nul. Oh. Il y aura jamais d'éruption volcanique vu qu'il n'y a pas de volcan sur Brookhaven. Vous êtes tombés dans le panneau, la honte, signé le papa de la racaille. Mais quoi? Ils sont passés sérieux à la télé? Ouah, je suis trop vénère, wesh! Venez, on va lui faire la peau à celui-là! Ouais, on va se venger! C'est trop ce qu'il a fait! Oh, quel fumier, ce présentateur nul! Moi aussi, je vais le barabe! On y va, les amis! Les amis, likez et abonnez-vous pour qu'on se charge de lui! Ça va barder!